Et salut tout le monde, c'est Vampix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est parti cette fois-ci, une petite vidéo, ma foi, un peu originale. Je vais essayer de vous lancer une mini-série. Ça va être vraiment un petit truc, voilà, une petite série de vidéos sur un peu les mystères de Dofus. Que ça soit surtout sur 1.29, mais je pense qu'ils sont encore d'actualité sur 2.46. Donc ça sera des petits trucs, voilà, des petits mystères. Peut-être qu'on va résoudre ou peut-être pas, on verra bien. Donc je voulais faire une vidéo et vous présenter trois mystères, mais bon, je pense qu'on fera une vidéo pour chaque chose, sinon ça va être un poil long. Et on va commencer direct par un mystère que je pense qu'il vous a tous trotté dans la tête. Alors, je sais pas trop si ça a été déjà fait sur YouTube ou autre. Sûrement, hein, je pense pas être le premier, loin de là. Mais du coup, j'ai fait mes petites recherches sur des forums, tout ça, et on va essayer de se renseigner un peu sur le mystère des fameuses dalles Dofus. Vous êtes sûrement déjà tombé dessus en vous baladant dans le jeu. Donc, il y a 5 dalles dans le jeu Dofus, donc une dalle par lettre. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Alors, j'ai ramené mes persos sur chacune des dalles. Alors on va commencer avec le panda, donc qui est sur la dalle D, qui se trouve sur la presqu'île des Dragoeufs en moins 7, 29. Donc voilà, il est là. Ensuite, nous avons le haut, l'énutrophe, donc qui est caché là, le haut, on ne voit pas bien. Il est juste là, donc en 2,23. Voilà, avec ce petit blé qui fait chier. Ensuite, on a le F, bon le F qui est assez connu au port de Madrestam. Voilà, j'y ai mis mon Eni. Ensuite, on a le U qui est sur le Kra, donc en Kama le cimetière. Donc, regardez les coordonnées, hein, peut-être si vous voulez essayer. Excusez-moi. Si vous voulez essayer. Et ensuite, le S qui se trouve en 0-1. Donc, toutes les dalles se situent plus ou moins voilà, dans cette zone-là, on va dire. En gros, il y en a une là, une là, une là, une au port. Et la dernière, je ne sais plus où elle est. Bref, voilà. On est sur toutes ces dalles-là. Et donc normalement, les dalles devraient ouvrir cette grotte. Et donc sur les forums, j'ai vu qu'il y avait plusieurs spéculations, spéculations. Certaines disent voilà, qu'il y a certaines choses ou pas. D'autres disent que ça s'ouvre pas. Donc on va essayer de faire le test ensemble. Alors je vais mettre tous mes persos sur les dalles et on va justement voir ce qui s'y passe. Alors j'espère que la dragonnade ne change rien, normalement non. Je l'ai jamais fait, hein, donc voilà, on va le faire ensemble. Je vais me mettre dessus. Bon déjà ça s'ouvre. C'est déjà pas mal. On va y rentrer avec le Sadi. Ok. Ok, donc j'arrive dans une grotte qui, ma foi, m'a l'air un peu useless. Hein, il n'y a même pas de minerai apparemment. Et on y trouve un mulou. Qui m'a l'air, ma foi, inoffensif. On va essayer de regarder un peu dans chaque recoin au cas où on tomberait sur quelque chose. Au pire, on va le taper le mulot. On verra bien ce qu'il y a. On verra bien ce qu'il y a là-dedans. Alors, chaque fois, soyez, on s'en fout. Alors, on va y aller franco. Hein. Hop, voilà. On va voir, peut-être qu'on va drop un truc dessus, on verra bien. Alors j'ai vu sur certains forums, certains disaient qu'il y avait un coffre dedans. Enfin qu'au tout début du jeu, il y avait un coffre. Que celui-ci contenait pour le premier qui arrivait à y aller. Bon, là on drop des ressources banales. Pour le premier qui arrivait à y aller, aller choper 1 million de Kama. Voilà, certains disent qu'il y a juste un coffre. Et dedans, vous mettez ce que vous voulez pour le prochain arrivant. Je me demande s'il n'y a pas des minerais, mais je pense pas. Pour le prochain arrivant, alors j'ai pas trouvé de screen, de trucs ou autre. Donc ça reste un mystère. En fait, voilà, il y a vraiment pas grand-chose. Est-ce que si je, voilà, donc je peux y retourner direct. On va voir peut-être s'il repop direct, mais bon, de toute façon, c'est juste un mulou. C'est pas très intéressant. Ouais, donc c'est beaucoup de rumeurs. Alors peut-être qu'au tout début du jeu, peut-être si vous avez connu cette époque, peut-être que vous savez s'il y avait eu un coffre à l'époque ou autre. Là, bah, perso, j'en vois pas, à moins d'être vraiment aveugle, mais je pense pas l'être. Là, sur cette zone, là, marron, il n'y a rien là-dessus. Donc, bref, essayez chez vous, à mon avis, vous allez tomber comme moi, hein, nez à nez avec ce loup qui, ma foi, est banal, hein, et pas grand-chose dessus.
Bon, un peu déçu là-dessus, je pensais vraiment trouver un petit truc un peu original. Mais bon, voilà, du coup, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors, ouais, faites gaffe par contre pour la dalle O, la dalle O en 2,23. Voilà, elle est juste derrière là, faut vraiment bien la choper. Et du coup, voilà, je vous remontre un peu partout où sont les dalles. Peut-être que sur 2 points, enfin la version actuelle, il y a peut-être autre chose. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Mais j'en suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr du tout de ça. Enfin bref, en tout cas, tout ça pour vous dire. Bah voilà, c'était un petit mystère pour moi que je n'avais jamais fait. Je n'étais jamais rentré dans cette grotte, j'avais jamais vu ce que ça faisait d'être sur toutes les dalles. Et je vous avoue que depuis que je joue à cette version, ça me trotte dans la tête. Et puis j'ai eu cette petite idée, tiens, je me dis, allez, on va tester ça avec mes persos, voir si ça peut ouvrir quelque chose de mieux. Mais voilà, apparemment, il y en a même qui disent qu'il y avait 10 millions de Kama dedans. Enfin bref, c'est pas mal de rumeurs. Mais bah en tout cas, sachez que ça ouvre quelque chose quand même. Ça sert pas à rien, ces fameuses dalles. Donc voilà, c'est un petit mystère. Alors, je sais pas si ce genre de petite vidéo vous plaira. En tout cas, moi, ça me plaît bien de vous l'avoir montré. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire pour voir si vous voulez voir les prochains mystères. Je pense que le prochain, je ferai les deux derniers. Enfin, sauf si j'en trouve d'autres entre deux. Mais je ferai les deux derniers dans la même vidéo. Parce que ça sera des trucs un peu plus basique, un peu plus simple. Et donc voilà, en tout cas, si certains d'entre vous ne savez pas à quoi ça sert, bah voilà, maintenant vous le savez. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Je voudrais à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Vampix. Salut tout le monde, ciao.